Bonjour. Aujourd'hui, en amuse-bouche, le chef vous propose la friture de Loire, petit poisson frit. Il s'avère avec des carottes séchées aux épices. Et donc, vous pouvez les user pour les tremper dans la mousse de céleri et chocolat blanc. Bon appétit. Hey, ça marche. Trois couverts, trois menus. Le chef, sans fromage. Alors, on débute ici, donc il y a des langoustines rôties qu'on accompagne d'un œuf cuit basse température. Vous trouverez également champignons au café, mayonnaise légère, et vous avez là l'oseille sauvage, voilà, qui apportera une petite touche acide avec ces langoustines. Je vous souhaite une très bonne dégustation. On suit ici avec des langues d'oursin, on l'accompagne d'une crème de pané, arachide, et enfin vous avez du pourpier d'hiver qui provient de notre potager. Vous avez là les dernières pousses de pourpier d'hiver. Et enfin, on a ici un cédra main de Bouddha. On tenait à vous faire découvrir. Vous avez là une belle note acidulée. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne dégustation. Donc là, on est sur un silure de Loire qui est poché. Avec, on a une pomme de terre fumée au siphon. On a les truffes des frères Doucino à Villermain. Et ça, c'est un jus de volaille rôti. Profitez bien. Donc là, vous êtes sur le thym rôti au lard de colonnata, mousseline de topinambour et chèvre de topinambour, déclinaison de betterave, et vous avez du cacao grué et une poudre de betterave. Je vais vous servir un jus chocolaté, légèrement chocolaté avec, qui va bien s'associer. Comme hier, vous pouvez trouver donc le mouron des oiseaux qui va vous apporter une légère acidité pour le plat qui va bien contraster la douceur du topinambour. Bonne dégustation. Donc là, on est sur la géline de Touraine en deux préparations. On a le blanc qui est poché, on a la cuisse qui est rôtie. Avec, on a du salsifis et on a la truffe. Et là, je vous verse un consommé porto-cognac. Profitez bien. Je suis ici avec un classique maintenant, notre version du chèvre de Touraine. Vous avez une mousse de chèvre frais, copeaux de chèvre affinés, miel de sapin et mouron des oiseaux. Voilà. Et puis surtout pour accompagner ce chèvre, on a une très belle truffe. La truffe des frères Doucino, voilà, celle-ci est produite à Villermain. On s'est dit que ça allait vous faire plaisir. Oui, dernière livraison. Attention à vous. Et voilà. Donc pour terminer, vous avez une mousse de lait, un biscuit croquant au pain d'épices, coque chocolat noir et noisette caramélisée, sauce chocolat chaude. Et pour accompagner votre dessert, vous avez une crème glacée à la vanille. C'est une excellente dégustation. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir ici. On va être sur des guimauves aux spéculoos, guimauves à la rose, caramel au chocolat, juste là nougat fait maison, hein, bien entendu, et les caramels à la fève de tonka et amandes. Et tout est fait par notre charmante chef pâtissier. Vous m'aviez dit que vous avez faim tout à l'heure, non? Oui.